Bon, Gaëtan, 4-0 ici, c'est magnifique, non? Ouais, c'est un bon résultat. Après, on fait une première mi-temps très moyen. On a su faire le dos rond, on arrive à marquer un fin, même, on peut même marquer le deuxième. On rentre 1-0 et après, en début de seconde, on a un peu accéléré, on marque deux buts. À 3-0, on a bien défendu et on savait qu'en contre, on avait encore marqué un but. Ah, parce que toi, c'est une équipe malade, ils sont dernier du classement. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 30 premières minutes? Puisque clairement, vous avez fait bouger. Hein. Ils avaient fait beaucoup tourner, ils avaient mis beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de peps, du jus. Après, ça arrive, on n'était pas au premier ballon, pas au second ballon. On a pris quelques vagues. Et on n'a pas pris de but, on reste mieux en défense. Donc c'est une bonne chose. Et surtout, vous mettez 4 buts. Ça, c'est important pour le lever. On est sur 4 buts, 3 buts, 4 buts. Donc, on reste sur 11 buts et 0 encaissé en 3 matchs, donc ouais, c'est vrai que c'est bon pour le moral. Et ce qui est bon pour le moral aussi, c'est que ce soir, alors c'est anecdotique certes, mais vous êtes sur le podium. Ouais, on a vu ça. Oui, c'est sûr. À la 8e journée, pour l'instant, ça veut rien dire, mais c'est sûr que c'est toujours bon. Mieux d'être là. Ouais, c'est toujours mieux d'être là que d'être 18e, non? Oui, c'est bien, c'est sûr. Ça faisait longtemps qu'on n'y était pas allé. Enfin, en début de saison, c'était un début de saison moyen. Là, on est déjà dans le truc, donc c'est intéressant. Et là, vendredi, vous jouez contre Niort. Ce sera aussi un match face à une équipe qui a un peu du mal. C'est clairement votre portée, non? Notre portée, oui et non. Ça va être un match compliqué. Il ne faut pas le prendre à la légère. Peut-être que là, on a pris un peu la légère. Du coup, c'est pour ça qu'on se fait secouer. Il faut faire un match sérieux. Il faut rentrer fort d'entrée. Et si tu mets tous les ingrédients, ça va le faire. Et dernière question sur le plan personnel. Là, tu t'enchaînes des titularisations. Un coup à droite, un coup à gauche. Mathieu, arrête Mathieu. Non, c'est vrai que je joue plus que la dernière niveau de titularisation, donc c'est bien. Moi, de faire des bons matchs, des bonnes prestations, d'être bon à l'entraînement. Après, l'équipe tourne bien, donc du coup, c'est le coach qui peut faire tourner. Et même s'il fait tourner, par exemple, il a échangé 5 ou 6 joueurs de la feuille de match de Auxerre. On en a encore 4, donc il voit qu'il peut compter sur tout le monde, donc c'est intéressant. Là, c'est vrai, tu soulignes le fait qu'il a changé. On en a parlé tout à l'heure avec le coach avant. Il te fait tourner et du coup les résultats sont toujours là. Donc c'est, ouais, c'est nous, super. Il l'a dit, on est un groupe restreint, mais il fait vraiment confiance à tout le monde. Donc du coup c'est intéressant, même quand on change d'équipe, on est tout le temps là, ça ne bouge pas. Ok, bah merci, on se verra vendredi. Allez, merci, au revoir.